Remontada, Inch'Allah. Ronaldo a bel et bien dit Remontada, Inch'Allah. C'était lors de la conférence de presse d'avant-match retour en Ligue des Champions asiatiques. Les sujets très intéressants du moment ont été évoqués et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Pour reprendre les termes du GOAT, voici ce qu'il a dit. Ce sera un match de victoire ou de mort, ce qui signifie Inch'Allah, on va faire une remontada. Le match aller ayant été perdu 1-0 et au vu de la situation d'El Nasser en championnat, c'est la seule compétition majeure que le club est encore en mesure de remporter, donc c'est effectivement le match de l'année. CR7 s'est justement présenté à cette conférence de presse pour faire comprendre à quel point ce match est important. D'ailleurs, il en a profité pour faire passer un message aux fans à travers les médias. Il les invite à encourager l'équipe et à tout donner pour que les joueurs réussissent une remontada sur le terrain. Précisément, voici ce qu'il a dit. Aux fans d'El Nasser, nous avons besoin de vous demain. Soyez avec nous, nous avons besoin de votre aide. Soyez confiants parce que nous, les joueurs, avons une grande confiance en nous et nous allons gagner et nous passerons en demi-finale. Par contre, là où Ronaldo n'a pas été complètement honnête, c'est en déclarant qu'il estime que la saison est positive parce que tous les titres sont encore jouables pour El Nasser. Je ne pense pas qu'on puisse dire honnêtement qu'El Nasser a une chance de remonter 12 points à Al Hilal en championnat alors que leur niveau actuel est bidon, tandis qu'Al Hilal est en feu en plus d'être bien aidé par l'arbitrage. Après, peut-être qu'au fond de lui, Ronaldo le pense sincèrement parce qu'il reste un compétiteur, donc il donnera tout jusqu'au bout, mais s'il y a bien un match plus important que les autres, c'est certainement ce match retour pour la qualification en demi-finale de Ligue des Champions asiatiques. Enfin, il est revenu sur la sanction pour son geste considéré obscène. Il maintient sa version des faits, il dit ne pas être parfait et se veut respectueux du pays, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, mais il estime que son geste est considéré normal en Europe et qu'il n'avait aucune mauvaise intention. Il accepte quand même sa sanction et son erreur et ça fait partie de son imperfection en tant qu'homme. Pour conclure, soyons tous avec Ronaldo et El Nasser pour la remontada, c'est tout ce qu'on veut voir, on va certainement énormément vibrer sur ce match. D'ailleurs, je serai en live sur mes réseaux sociaux pour discuter avec vous pendant la rencontre, soyez sûr d'être au rendez-vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.